Bienvenue sur ma chaîne Essence d'Orient. Aujourd'hui, on va réaliser la recette de la crème mousseline qu'on utilise pour garnir le fraisier, le millefeuille ou les choux, par exemple. Je vous laisse avec la liste des ingrédients. On va commencer la préparation de la crème. Je mets mon lait à bouillir avec la moitié de la quantité de sucre. Je mets le reste de sucre avec les jaunes d'œufs et je bats jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Je rajoute la fécule de maïs et je travaille, donc on va obtenir un mélange qui est assez épais. Là, mon lait il est à frémissement, je rajoute une petite quantité pour détendre le mélange. Je remets mon lait à bouillir. Je verse mon mélange dans la casserole en remuant constamment et je laisse cuire 2 à 3 minutes à ébullition. Après 2 ou 3 minutes, on remarque que la crème a épaissi. Donc on va la récupérer dans un film plastique et on va la laisser refroidir 1 à 2 heures au frigo. Ou bien on peut la mettre aussi une demi-heure au congélateur pour la faire refroidir vite. Dès que ma crème pâtissière a refroidi, je vais commencer à monter la crème au beurre. Donc je vais commencer par mettre la crème pâtissière dans le robot mixeur pour la détendre et je vais rajouter le beurre ramolli petit à petit et je laisse monter ma crème jusqu'à obtenir une crème bien mousseuse. Ma crème est prête, je peux l'utiliser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo et de la partager. Et de vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles recettes. Merci.